It's amazing. It's incredible. So much art. J'ai décidé de vous faire vivre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à 1h au nord de Paris. Nous sommes dans une fan zone dans le parc Georges Balbon à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. La cérémonie est retransmise en direct ici sur un écran géant. On va aller balader notre micro. Ah, j'attends de voir c'est qui. Oh, Gaga, j'avais raison. Ah, j'ai raison. Yes. La meilleure. On pensait qu'elle serait pas là au final, mais franchement, elle est dans la porte. Raciste. Elle est là. Il fallait une petite révolte là. Ah, ça se passe plutôt bien. Je suis ravie qu'on puisse montrer notre diversité et tout ce qu'il y a de plus beau dans notre pays, la culture, le vivre ensemble. J'ai notamment aimé que ce soit deux femmes noires qui ont commencé l'ouverture, Marie-Jo Pérec et Miss Williams. Et là, Aya qui est là et qui représente la liberté, qui représente mais aussi la créativité et le fait que on est tous là, tous ensemble. Vive la Courneuve, j'ai grandi à la Courneuve. Tout est super, même sous la flotte. Ça représente quoi les JO? La fatalité, l'amour. Ça fait du bien en ce moment de vivre ce genre d'événement. Vous pouvez pas le savoir. Du bonheur. C'est chill, tu vois, tout le monde est tranquille, c'est une bonne énergie et tout. On aime bien juste passer un bon moment avec tout le monde. Bangladesh. We are waiting for Céline Dion. C'est l'Italie. C'était magnifique, madame. C'est une occasion incroyable pour assister à un spectacle comme ça. Tout c'est magnifique. On va espérer des Jeux Olympiques de paix. The ceremony is amazing. Paris, you are out in the rain. Yes.